Bonjour à tous, donc je suis José Gomila, je suis retraité, j'investis dans le Dogecoin et le Bitcoin, je ne suis pas analyste financier, j'investis que l'argent inutile, mes dépenses inutiles. Alors bon, hier soir il y a eu une super nouvelle, je pense que vous êtes déjà au courant, Coinbase Pro a accepté le Dogecoin. Hein. Alors ça va se faire en plusieurs phases avant que ça arrive sur Coinbase, hein, parce qu'il y a deux Coinbase, il y a le Coinbase Pro et le Coinbase. Alors sur le Coinbase Pro, il y a 19 millions d'utilisateurs, donc c'est déjà pas mal, hein, c'est beaucoup. Et sur le Coinbase normal que moi j'ai, que vous avez, il y a 56 millions d'utilisateurs. Alors, ils vont faire en plusieurs étapes. Pourquoi ? Ils vont faire déjà le test sur le Coinbase Pro. Ils vont voir comment ça se passe. Et après, ils vont passer sur le Coinbase, normal. Alors, autrement, donc maintenant, on sait que le Dogecoin, c'est une crypto. Mais elle risque de devenir ce qu'on appelle un utilities. Alors, pourquoi un utilities ? Parce que Tesla, dès que Tesla va accepter le Doge, ça veut dire que c'est vraiment du concret, on peut payer sa voiture, on peut payer ses accessoires. Donc, à mon avis, dans quelques temps, vous pourrez payer aux États-Unis votre facture d'électricité, votre facture d'eau. C'est ça vraiment l'utilities. Alors ça, ça va donner un fort coup de boost au Dogecoin. Bon, là, il a déjà bien progressé, regardez, hein, depuis hier. Bon, moi, je l'avais acheté, j'avais racheté à 0,28 cents. Donc là, on est à 0,41 cents. Donc, on a déjà pris 15 points. Bon, les Américains n'ont pas encore démarré sur le marché. Donc, je pense qu'on devrait arriver à 0,43, 0,45. Alors, autrement, il y a une deuxième chose très importante. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a une communauté qui s'appelle Reddit. Alors, c'est très, très connu aux États-Unis. C'est une communauté américaine. Donc, le 9 juin, il y aura tous les YouTubeurs connus vont faire une émission sur le Dogecoin. Parce qu'ils pensent qu'en fait, quand Coinbase, le 3 juin, va installer le Dogecoin, et quand ça va passer sur du Coinbase Pro au Coinbase normal, pardon, eh bien, on risque d'avoir un tweet au même moment d'Elon Musk disant que ça y est, le Dogecoin est bon pour Tesla. Donc, le 9 juin, surveillez cette date, elle est très très importante dans le trading. Alors, c'est reddit.com, vous pouvez aussi télécharger l'appli. Hein. Vous pouvez, s'il y a un sujet qui vous intéresse, moi c'est le Doge, ben, vous mettez Doge et vous avez toutes les discussions sur le Doge. Hein, ok. Alors, troisième chose importante, je vous ai trouvé un site internet qui s'appelle CryptWerk. Hein? Alors, CryptWerk. Alors, là, sur le CryptWerk, vous avez toutes les entreprises qui acceptent le Doge dans le monde. Hein, il y en a déjà pas mal, hein, regardez. Hein. Il y en a en Australie, il y en a en Europe, il y en a en Afrique, aux États-Unis. Bon, il y en a partout dans le monde. Hein. Alors, vous pouvez sélectionner en fonction de ce que vous voulez utiliser et ce que vous voulez payer. Alors, je vais prendre par exemple. En France, non, pas trop. C'est plutôt l'Angleterre et l'Allemagne. Je vous avais dit que les Allemands étaient beaucoup plus performants que les Français sur le Doge. Hein. En France, on a pour l'instant que 4 personnes qui acceptent le Doge. C'est pas vraiment pas terrible. Alors, en Allemagne. Donc, en fait, vous sélectionnez le point. Moi, je vais prendre n'importe lequel. Hein. Vous cliquez sur le point. Hein. Bon, là, par exemple, vous pouvez acheter de l'Internet Marketing Service. Hein. Donc, vous cliquez, vous pouvez aller sur le site. Vous avez la note, vous avez la direction. Hein, et vous savez exactement ce que vous pouvez acheter. Hein. Alors, vous avez aussi un menu sur le côté, ici, hein, où vous pouvez sélectionner. Bon, moi, je sélectionne le Doge et le Bitcoin, parce que je n'investis que là-dessus. Et après, vous pouvez sélectionner toutes les catégories. Alors, vous avez le shop market, vous avez l'achat de véhicules, l'achat de bicyclettes, d'accessoires, vous pouvez acheter à manger, les cadeaux, vous pouvez acheter des plantes, vous pouvez acheter des produits pour le corps, enfin bon, etc.
tous ceux qui utilisent le Dodge pourront s'inscrire. Hein, c'est facile. Alors moi, j'ai demandé à mes enfants qui reprennent l'entreprise, dès que Trailer Park acceptera le Dodge, ils vont s'inscrire aussi sur la liste. Hein. Alors, sur les États-Unis, il y a énormément de points, hein, énormément. Alors, en tout, il y a à peu près, pour l'instant, 1385 points qui acceptent le Dodge. Bon, quand PayPal va l'accepter comme le Bitcoin, bon, le nombre de points va augmenter. Hein. Bon, déjà, BitPay accepte. Hein. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le développement du réseau qui accepte le Dodge est de plus en plus important. Hein. Il y a 1300, je pense qu'on va passer rapidement à 3, 4, 5000. Ça va être exponentiel. Hein. Ça va monter. Hein. Alors, je voulais faire une petite parenthèse là, parce qu'il y a toujours des fake news avec des milliardaires qui tradent sur le Nasdaq. Hein. Bon, ils sont toujours avec leurs fake news pour vous faire peur, pour vendre votre crypto et aller sur le marché des actions. Bon, pour l'instant, ça fait peur à personne. Même Mac Cuban a dit que Warren Buffett, et à un moment donné, il va aussi investir dans les cryptos, parce que le ticket d'entrée pour une action Berkshire, c'est 453 000 dollars, le prix d'entrée pour une part. Donc, c'est souvent des mecs d'Hollywood, des businessmen, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à un moment donné à Warren Buffett, quand le Dodge sera accepté de partout, le Bitcoin sera utilisé, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, bah, qu'il arrête ses conneries, il faudrait peut-être qu'il investisse dans les cryptos, comme il a été visionnaire pour Coca, etc. Bon, c'est vrai qu'il a quand même un certain âge, mais bon, je pense que les investisseurs vont le pousser à investir sur les cryptos. Hein. Bon, après, les autres marques comme Amazon, Wish, Apple, bon, il y a déjà des discussions avec Apple. Walmart, il y a déjà des discussions avec Walmart pour accepter le Bitcoin et le Dodge pour payer en magasin. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils vont aussi s'implanter en France. Hein. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que les consommateurs, ils vont faire pression, en fait. Hein. Ils vont faire pression sur les magasins. Et les grandes marques comme Walmart, vu l'argent qui circule en Dodge, ben, ils ne vont pas vouloir perdre ce chiffre. Donc, à un moment donné, ils vont y passer comme Amazon, ça c'est sûr. Bon, ben, écoutez, je vous donnerai des nouvelles prochainement. Je vais regarder encore les vidéos ce soir, je vais les analyser. Et je vous donnerai mes nouvelles. N'oubliez pas, souscrivez à ma page, partagez, likez. Made in Dogecoin sur Twitter. Twitter, j'ai beaucoup de passages. Sur YouTube, ça commence, mais c'est encore léger. Je veux toujours atteindre mes 1000 abonnés sur YouTube pour pouvoir faire des vidéos en direct. Bon, ben, merci à vous, à bientôt et bonne journée. Bye!